Ok. Wesh, par contre, les dégâts qui croient sur Bardock, on vient de... D'accord. Ok. Yosh les BG les BGettes, j'espère que vous allez bien, c'est Riyad. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legends, les amis. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre, à la miniature, à tout de cette vidéo, on est parti pour tester la nouvelle C21 Free to Play. On est parti pour tester ce petit perso qui vient d'arriver aujourd'hui en même temps du coup que Full Power Zenkai. J'espère que vous kifferez la zone comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis à la fin des showcases, à vous abonner pour pas manquer les prochaines aventures. Et nous on est parti. Au niveau de ce qui fait la carte, comme vous le constatez à votre écran, on l'a 9 étoiles. Pour ce qui est des stats, on a des stats, donc on va les voir à 14 étoiles bien sûr, mais qui ne sont pas non plus incroyables. Ce sont des stats vraiment pas ouf quand même pour du 14 étoiles. En termes de défense, ça peut aller, mais en termes d'attaque, c'est pas ouf du tout. En termes d'attaque track, c'est très mauvais. En termes d'attaque Kikoa, c'est pas ouf du tout. Au niveau de la Kikoa, on ramène une Kikoa qui permet de torpeur. Donc 50% de chance d'infliger de torpeur, très cancer. Vous connaissez carte torpeur qui peut vraiment avoir de l'impact in-game. Donc on prend avec grand plaisir. Autrement, on a une Kikoa hein, qui permet de réduire donc les effets de mise à cover pendant 5 secondes de 20%. C'est pas dégueu. Autrement, vraiment, ce qui va être fort avec le perso, et c'est ce qu'on va surtout, c'est sur ce quoi on va surtout s'attarder, autrement on va vite faire une petite review, mais on a ici un très bon bonus. On a une spé qui a des dégâts colossaux, qui va faire mal, et qui en plus de ça augmente notre nombre de Dragon Ball à jusqu'à 2 fois, donc cumulable jusqu'à 2 fois. C'est excellentissime la zone, parce que 2 Dragon Ball, 2 spé, et le perso en tire une en plus de ça sur son main, on va voir après. Donc vraiment très correct pour le Rising Rush ici, surtout que le perso, bah c'est pas comme si vous aimeriez pas les caler les spé avec lui, puisqu'il va faire, vous allez voir, des très bons dégâts en spé. Le la carte verte, excellente carte verte, je n'ai rien à dire. Kikoa, donc on tire une carte verte, donc on est juste Gucci, parce qu'en plus de ça, on va pouvoir changer toutes ses strikes en Kikoa. En plus de ça, on va pouvoir tirer une Kikoa. En plus de ça, on va régénérer 42 ki. Et en plus de ça, ça fait beaucoup en plus de ça, mais c'est vraiment excellent. Et puis on a 20% de dégâts infligés pendant 20 secondes. Très très bonne carte verte pour 19. Si elle coûtait 14 ou genre 10, ça aurait été tellement fumé. Mais c'est une très bonne carte verte ici, rien à dire. Au niveau de l'humain, donc on a un main plutôt correct, plutôt classique, mais pas ouf du tout quand même dans son ensemble. On tire une spé, on a de la régène de PV, du ki et des dégâts. Quoi. C'est un peu ce qu'on demande dans, dans le classico maintenant dans les mains. Pour le premier passif, une fois entré en scène, donc on a 80% de dégâts infligés. Classique, 30% de réduction, enfin 30% pardon de dégâts qui quoi, 40% de réduction et de tri une des cartes de l'adversaire de manière aléatoire. C'est le minimum syndical d'avoir de réduction maintenant en ladder, je pense, hein, vraiment, c'est le minimum syndical, hein, si vous voulez en tout cas perdurer et être sur le long terme. On a autrement des petits bonus de dégâts sympas, mais on aurait préféré que des dégâts infligés quand même, donc c'est pas si ouf que ça. Et lorsqu'on est sur le terrain, on augmente de 30% les dégâts infligés, donc lorsqu'on fait revive un ennemi, je crois pas qu'on... qu'on ait réussi à faire revive un ennemi parce que j'en ai pas croisé en fait. Comment on poursuit? À chaque affrontement face à un ennemi, on gagne 52 ki, enfin 32 ki, pardon. On réduit le coût des énergies, donc des kikoa pendant 10 secondes de 5, et c'est pas mal. Et puis autrement, on inflige un malus. Bon, bref, le malus de quantité de PV régénéré, il est plutôt éclaté. C'est surtout le ki et puis la réduction des kikoa qui nous voit pas mal, mais autrement, pas grand chose quoi. Et dans une mise à cover, on scelle les cartes strike et puis les cartes sont inutilisables pendant 5 secondes. Franchement, c'est pas si ouf que ça. Sur le papier, ça donne rien d'incroyable. Vous allez voir, franchement, elle peut faire de belles choses cette C21. Peut être surprenante, mais vous allez voir, c'est pas non plus la folie pure. Mais je me répète encore une fois, vous êtes capable de faire de très belles choses. On la joue dans sa meilleure team cyborg, bien sûr, sa team cyborg la plus Gucci. On joue C21 free to play que vous voyez à votre écran à 9 étoiles. La C21 violette, quasiment 14 étoiles. Elle est 13 étoiles, elle est montée dans l'arbre, tout ça, tout ça. Alors elle a pas tous les arbres montés, c'est peut-être ça le problème, mais elle est bien Gucci, je vous garantis. C21 Zenkai bleu free to play, pas besoin de le présenter, hein, vous la connaissez déjà. Le petit C17 MVP, voilà, on a un petit banc plutôt sympa qui donne de la def, tout ça, vous allez voir, C21, très utile, dégâts Kikoa, dégâts des spé, et puis autrement dans son ensemble, elle va être plutôt correcte. Je pense que c'est la personne qui, franchement, quand elle sera à 14 étoiles, sera vraiment très correcte. Là, pour le moment, vous allez voir, c'est sympa, et ça va vraiment être intéressant. Mais je pense qu'à 14 étoiles, encore une fois, ça va être encore plus Gucci. Bref, on décale pour les équipements. Ok, des équipements, rien de sorcier, les gars. Je joue full équipement, dégâts Kikoa, dégâts d'SP, bien sûr, parce que le perso se joue sur les dégâts d'SP. Autrement, si vous avez besoin de prendre des équipements, n'hésitez pas à les prendre ici. Alors, évidemment, tous mes persos ne sont pas équipés de la même manière et d'une manière très réfléchie, parce que je ne joue pas tous les persos de ma team. Mais n'hésitez pas quand même, si vous voulez tester, vous prenez ça en 4K la zone. Et moi, je vous laisse tout de suite pour le petit showcase. Alors, on est dans le top 500 et quelques. Ouais, le retour dans le top, incroyable. Et on est parti avec cette petite team qui, j'espère, vous fera kiffer. Et puis on se retrouve tout à l'heure en live sur Twitch à 19h en espérant que ça vous plaise. C'est parti. Ok les gars, triple C21, hein. Triple C21, les beaux gosses en ladder. Et je vous jure, c'est plutôt stylé par contre à prendre en main. On y va d'ailleurs, il y a la petite C21 Zenkai qui est excellente d'ailleurs, hein, la petite C21 Zenkai violette qui n'a plus le droit à son showcase sur la chaîne. 999 Zebi, vraiment. Mais je disais, ouais, 900 enfin, 900
La GSC21 qui n'a pas eu le droit de son showcase parce que malheureusement il y avait d'autres choses que j'avais envie de tester entre temps les gars. Malheureusement. Alors même d'ailleurs la GSC21 ici. Alors en termes de défense, full power, zéro, il tape pas spécialement et on tient bien. Alors on va sûrement prendre l'aspect. En vrai on va prendre plutôt cher quand même. Ouais, mine de rien, ça va en vrai. On va prendre combien sur l'aspect? Ok là par contre l'aspect elle a fait vraiment mal l'aspect. Et puis les dégâts, on va voir. Dégâts strike plutôt sympathique, ouais non. C'est pas ouf du tout, mais ça va. C'est pas non plus écœurant, mais ça pourrait être bien mieux, quoi. C'est surtout là où je veux en venir. On va mettre C21 violette, histoire de mettre une bonne pression. Et puis on la sent quand même, la différence de dégâts ici. On la sent direct, hein. C21 Zenkai qui est vraiment très, 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 très forte, hein, j'insiste. Mais c'est dommage que j'ai pas pu la tester, vraiment. Je regrette. Je regrette d'une part. Allez, il va switch, hein, ici. Sur le LF, la petite paix en zone, hein, qui fait très mal. Et puis en vrai... Nickel là, le petit perfect dodge ici. Et puis on va voir la petite Kiko. Allez, C21. Mais nous Gucci là. Ouais, c'est pas ouf hein. Et pour vous mentir, c'est vraiment sympa son plus quoi. C'est pas non plus la dinguerie. On va mettre C21 violette. Par contre, C21 violette, je bire. Regardez-moi ce monstre. On va break hein, ici, va switch. Même pas. Main. On a entendu le pas de côté. Mais C21 violette, vraiment. Mais El Monstro, The Bee. J'en peux plus de ce monstre. Vraiment, je l'ai joué un petit peu et tout. Et vraiment, c'est un monstre perso hein. Ultra forte. Allez, on prend le kill ici. J'aimerais bien mettre d'autres choses avec la C21 free to play en vrai. Parce que depuis avant, elle était en train de chauffer le banc, The Bee. Palmarès du perso, j'ai chauffé le banc. Je vais péter un câble. Ok, nickel ici. Dégâts pas dégueu quand même. On est sur le désavantage type, mais bon. Ok, la cover. Est-ce qu'il va mettre une spé à votre avis? Est-ce qu'il met la spé? Ok, Kikoa. Ce serait intéressant d'aller chercher un combo ici. Allez, faut le gagner. Ah, enfin. Mais jamais de la vie. Jamais j'ai le droit au bonheur. Jamais j'ai le droit au bonheur. Jamais je gagne un clash. The Bee, jamais. C'est un truc de ouf. Je n'ai pas le droit au bonheur. Ok, on le tue ici. Bam. 2,6 millions. Vraiment, C21, elle est en train de nous carry, mais d'une force. On va attaquer direct. Elle est en train de sale nous carry. Et depuis avant, j'arrive pas à montrer la C21 free to play. Je vais tout casser. Je vais réellement tout casser, les gars. Je ne peux pas la montrer. Je vais la montrer, je vais la montrer, mais bon. Pas dégueu. Mais bon, je vais la montrer, mais bon. Voilà quoi, vite fait. Oh, la petite torpeur. Par contre, les dégâts qui quoi sont vraiment sympas. Après, encore une fois, on peut pas trop se fier parce que ça reste full power en face. Hein. Ça reste vraiment une petite chips full power. Donc bon, il n'y a pas trop de choses non plus à voir là-dessus, même si c'était pas écœurant. On donne C21 free to play, bien sûr. In the sauce, C21 free to play. S'il veut bien la tuer un jour, quand même. Et il a de la peine, hein. Spé, est-ce qu'elle nous tue? Je pense clairement qu'elle nous tue quand même, l'aspect. Elle nous finit clairement. On est clairement finito. Spé. Et puis on peut erreur hein, ici, j'ai vu qu'il a attaqué. Donc c'est plutôt safe. Carte verte ici. Et la game elle dure. Ah ouais, j'en peux plus. Elle dure depuis avant hein, la game. Hein. Ah, enfin. Il risque sûrement de tackle hein, ici. Depuis avant il tackle. Malheureusement je n'ai pas de strike. Et de toute façon ma main serait détruite. Et on n'a pas de vitesse de pioche non plus. Hein. C'est peut-être le truc qu'on regrette un peu. Ok. Il va RR, hein. Ok. Attaque directe, ça me va, plus d'esquive. Je pensais quand même tirer une spé, par contre. J'étais serein, mais fallait tirer une spé. Il régène l'esquive, hein, on n'oublie pas. D'accord, je s'est jeté dans le vent. On va pas prendre le kill. Et bien écoute, taf pas non plus extraordinaire de la C21. Mais ça valide. En vrai, faudra vraiment voir à 14 étoiles. Parce qu'à 14 étoiles, je pense vraiment que c'est là qu'elle va briller. Mais là, bon, ça va, c'est pas incroyable, quoi. C'est vraiment pas ouf. Hein. Je ne suis pas impressionné, ça fait... Ça fait du mal des fois, mais bon. Ça manque d'un truc, on le sent quand même, la zone. Seconde game, la zone. Face à une team P Yellow. Pourquoi pas. Un petit mixte. Pas piqué des hannetons. Je prends, les amis, je prends. Allez, on est parti ici, avec la petite C21 free to play. Je pense qu'on peut faire de belles choses, par contre, les refs. Je pense vraiment, niveau dégâts, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Ok. Wesh. Par contre, l'aspect, pas mal du tout, l'aspect qu'on vient de caler ici. Into C21 qui nous fait un boulot, mon gars. Un boulot effrayant, hein. Vraiment tellement bonne, cette C21. Tellement bonne, les gars. Tellement bonne. Ok. En vrai, ici, on esquive direct, non? Ok, il a plus switch. Bien joué ici, la tempo. Rentre, hop là, j'étais mal assis depuis avant. Je pète un câble. L'aspect ici, on est obligé de swap, on n'a pas le choix. Le tag qui fait ultra mal. J'aime bien C21, mais bon. Miskina elle, quand même, force à elle. Allez, main. Pas de côté ici. En vrai, on kick au RR direct. Hein.
On kick quoi RR direct hein, ici. Bam. J'allais esquiver par contre, j'ai trollé ici. J'allais esquiver, je le savais. J'aurais pu mettre un combo de malade sur Bardock, mais j'ai trollé. Mais en vrai, c'est pas grave. Bon, en vrai, c'est pas grave. En vrai, ce n'est clairement pas grave. La game n'est clairement pas terminée. Hein. On va juste attendre de voir. Ok. Wesh, par contre, les dégâts qui croient sur Bardock. On vient de... D'accord. Ok. Ouah, est-ce qu'on cale par contre en dégâts? La boule de cristal. Non. Bonsoir, non. Ok. Ok, on a attendu le deuxième pas de côté. Non mais par contre, vraiment incroyable là, ce qu'on vient de caler. Alors j'ai beau avoir loupé mon RR, on a l'impression que c'est lui qui l'a loupé, wesh. C'est trop, wesh. Oh, ce qu'on vient de caler à son petit Bardock, c'était vraiment Gucci, hein. C'était vraiment pas dégueu, hein. Rien à dire ici. Bon, malheureusement, on détruit les boules de cristal qu'on vient de gagner. Ça, c'est un autre problème encore. Ça encore, c'est un autre problème dont je ne veux pas parler. Ok, est-ce qu'il va switch? Oui, il switch. Oh, dommage, le bon timing là qu'il a eu. T'as les dégâts de Bardock. Il arrive tout le temps à se prendre les pas de côté par contre. On a un peu de chance dans les tempos. On est toujours au bon moment, j'ai envie de dire. Nickel, on mange un petit peu, on graille, on se heal. Gucci, Bahamas, tout ça, un petit gâteau. Rien de mieux pour la santé. Tapotir ici. On esquive, on recule. On attend un petit peu, on esquive. Très bien joué ici par contre. Il est bon en face hein, par contre. Très très bon. Si j'avais pas misplay mon RR en vrai, mon petit RR, j'avoue qu'on aurait été mieux. Mais bon, heureusement on gagne notre RR ici. Ok. Nickel ici. Par contre, il vient bien carrer le petit perfect dodge à ce moment-là. Cette bonne tempo. J'ai un peu troll en vrai. Mais ça suffira. Voilà. J'ai un petit peu troll. Mais bon. On va en kick quoi direct hein, ici. On esquive direct. On recule. C'était sur à 400 trilliards de pourcents. Donc, on évite de se manger un RR vêtement quand même. Sachant que moi, j'ai déjà mis le mien. Ce serait con de s'en manger un deuxième, les amis. Et puis c'est 21, la monstre. On va pas RR en vrai, ça peut. À part si on n'a pas le choix, vraiment, on RRera, mais j'aimerais éviter de devoir RR. Non, on est lock, hein, on ne peut rien faire de toute façon. Et puis on va pouvoir spé direct hein, ici. Je sais pas si elle récupère, je crois qu'elle récupère. Non, elle récupère pas qui est à l'entrée en scène, c'est un peu dommage. On esquive direct ici. On recule. Ok, on a assez de ki. Et on prend le kill, magnifique. Et eh bien écoutez, c'était une game très propre. Putain, on a chacun mis notre RR. Sacré game en tout cas, mais. C'était un très très beau match, le mec était très bon, donc c'était un match plutôt cool. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ces 21 free to play ici. Plutôt Gucci, alors encore une fois, je crois que le Bardock, on va juste aller vérifier la zone. Mais de même, je crois que le Bardock n'était pas très étoilé. Ouais, voilà quoi, le Bardock était 3 étoiles, donc bon, c'est un peu normal ce qu'on lui a mis. Mais on l'a quand même ouvert en 3 kikoa, on l'a pas laissé le temps de respirer, et ça c'était pas mal. Franchement, pas dégueu, on se retrouve tout de suite pour la dernière, histoire de conclure ce showcase, la zone. Je vous mens pas qu'avant j'avais fait un peu le fou les gars. J'avais un peu fait le fou et j'avais genre pas pris ces 17. Donc on l'a eu à la classique. Et du coup je me suis dit autant le prendre dans cette game les gars. Bah oui, on le prend pas pendant 10 000 games alors qu'il aurait pu pas mal nous servir. Autant le prendre pendant cette game. C'est juste qu'MVP je suis pas hyper fan du perso, je le trouve plutôt utile. Mais c'est pas le perso d'année, vous voyez où je veux en venir quoi. Vous voyez quoi, c'est pas le perso de l'année quoi. Que ce soit en termes de défense et de tout en général hein. En vrai, est-ce que j'ai envie de... Oui, je vais clairement switch. J'allais dire, est-ce que j'ai envie de switch? Bien sûr, jour et nuit ici. Il a pas le réflexe et on va pouvoir le choper gratuitement ici. Mais bon petit dégâts en vrai. C'est pas écœurant, c'est pas mal du tout. Même vraiment très propre, hein, même. J'ai envie de dire, en vrai, on peut se le dire. Vraiment très propre, l'aspect ici. Une boule de cristal. Ok. On aurait pu mettre la deuxième. Je vais plutôt aller chercher le main, en vrai, je vais garder l'aspect. Et puis en plus, c'est 21, une spé en zone, hein. Donc c'est plutôt utile, hein. C'est toujours utile d'avoir une petite spé en zone, on va attaquer direct. Ok, on l'a eu. Et puis on peut mettre MVP, alors bon, je pense qu'il y a très peu de chances quand même qu'MVP tue. Mais c'est possible. C'est possible, mais je ne pense pas. Allez, Aspé, MVP, prouve-moi que j'ai tort. Pas mal. En vrai, on va pas le tuer, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, attaque direct, je m'y attendais pas trop. Mais par contre, il prend cher MVP, The Bien. Miskin, il prend très cher MVP, hein. Junanago-san. Carte verte, on tient qui quoi, bien sûr. Ok, ça danse pas mal en face, hein, depuis avant. Ça danse pas mal. Ok, SP. On peut attendre. Le petit pas de côté. Et on va choper Chind. Et depuis avant, regardez comment elle fait mal. C'est vraiment Gucci. Alors, dommage qu'on ne tue pas quand même. Je suis très déçu. Ok, on a dansé tous les deux. On va esquiver direct. Le petit dash avant qui me... Oh, quoi? Putain, j'avais dash avant pourtant, hein. J'allais dire le petit dash avant qui me sauve la game, mais pas du tout les refs. Pourtant, je l'avais bien spammé, hein. Allez, ce serait bien qu'il me la RR. Petit RR là sur C21, ça nous mettrait bien Gucci.
En vrai. Ah, main. Ok, main ultime. Est-ce qu'il nous tue? Je pense largement qu'il nous tue, hein. Ça reste l'ultime quand même de Freezer Elef. Freezer Elef, il a un des ultimes qui tape le plus fort, hein. Il a pas mal de boost en plus de ça. Clairement qu'il nous tue, ouais. Clairement, finito. Mais par contre, là, c'est à C21 de s'énerver un petit peu. Qu'est-ce qu'elle propose, C21? Bah déjà, elle propose un kill. Ça, c'est déjà ça. Au moins, c'est déjà ça, la zone. Je prends. Même si c'est une boule de cristal en moins, tout ça. Oh, la torpeur, par contre. Ok, heureusement qu'on la bloque, j'avais oublié. C'est vrai que quand elle meurt, c'est vrai. Bien joué l'attaque directe, un RR. On attend juste le RR ici, en vrai. Ouais, c'était sûr. Allez, en vrai, je pose la carte verte, en vrai. C'est un défi tenté, écoutez. Strike, sûrement. Ouais, qui quoi? Dommage. En vrai, ce serait plutôt Gucci. On comeback avec ses 21 rouges et on termine la vidéo. Ce serait plutôt pas mal, en vrai. On termine Gucci. On fait en sorte que ce soit elle qui nous comeback la game et qui nous carry. Alors, il faudrait tirer la boule de cristal pour ça. Et si j'ai pas la boule de cristal, ça va être... Oh là là, ça va être compliqué. Bah oui, on la tire pas. On n'a pas de chance. Ok. Attendez. Ok. Il va choke, il va attaquer. Ok. Faudrait pas qu'il ait une verte, s'il vous plaît. Dommage, il allait chercher le perfect dodge. Alors, dommage qu'il ait eu peur. La game était serrée de fou. Dommage que j'ai trollé un petit peu, mais franchement... On aura vu d'excellents dégâts et puis ça vous montre aussi les défaites, hein. Les games sont pas parfaites, j'aurais pu vous chercher une game un peu plus violente, mais je trouve qu'elle aura fait son taf en vrai les frères. C21, free to play, franchement c'est du très lourd quand même en termes de perso. Rally Bogus, et en vrai C21, je trouve qu'elle est plutôt correcte. Alors franchement, comme je l'ai dit, c'est un perso qui pour le moment ne va pas faire grand chose, honnêtement, je la vois vraiment pas ouf pour le moment. Mais on aura pu voir, elle peut faire de très belles choses, elle est capable de faire beaucoup de dégâts. Encore une fois, il faut prendre en compte le fait qu'il n'y avait pas énormément d'étoiles en face, mais... Ça reste correct encore une fois, mais vous voyez c'est plutôt moyen, je pense surtout qu'on aura un perso ici qui va être fort dans le futur, et encore une fois je pense même pas qu'elle va être forcément forte parce qu'il y aura forcément un Zenkai rouge, en tout cas on dira en cyborg qui va venir compléter, donc voilà, bref, en tout cas sympa, si j'avais un mot à décrire, sympathique, voilà, c'est sympathique mais ça manque clairement de peps, ça manque clairement de tankiness, en fait ça manque... Il y a des bonnes mécaniques, mais c'est trop léger en fait actuellement. On n'avait pas besoin de ça, on avait besoin d'un truc qui rapporte plus. Et C21 malheureusement ne vient pas non plus rapporter assez à la Team Cyborg. Et c'est dommage. Après la Team Cyborg, elle n'était pas hyper forte de base, donc il fallait pas trop demander d'un perso free to play qui en plus de ça est une réédition techniquement d'un perso qu'on connaît déjà. Donc bon, bref, j'espère dans tous les cas que la vidéo vous aura plu, les beaux gosses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude pour ne pas manquer les prochaines aventures sur Dragon Ball Legend. C'était Riyad pour vous servir. On se retrouve ce soir 19h, séance de stream pour aller jouer tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao.